Salut, bienvenue sur Indécent Powa, Geek Podcast, le retour aux fiches 2024, c'est la folie. Toujours avec Freux. Voilà, toujours Fred pour Indécent, bah voilà. Et je pense que vous le voyez derrière, puis à nos invités, on est sur le stand du... Alors, Booking Games, parce que si je dis Studio Dead Cross, je vais me faire engueuler par le patron, c'est ça. C'est ça, hein, c'est Booking Games, c'est le rassemblement de tout ça. C'est le rassemblement des forces, c'est ça, c'est les Power Rangers du coin, quoi. C'est ça, apparemment. Ah, c'est beau. Coloré. Moi pas, hein. On m'a pas prévenu. Ah bon ? Ah non, on m'a pas prévenu. T'as des photos ? Non. Bah du coup, comme vous allez avoir une activité commune, C'est ça. Avant de parler de votre bébé à tous les deux, on va d'abord discuter un petit peu de votre actu personnelle, chacun son tour, parce qu'on est comme ça. Et puis on pourra Vas-y, parler. Oui. Je commence. Ah, oui. Alors, par contre, on commence, moi. Toujours sur une quest chez Chaosium. Ouais. Là, il y a... Alors, il y a du Cthulhu aussi. Alors, sur une quest, normalement, il y a. Aux États-Unis, il va y avoir Lunar qui va arriver dans Cult of RuneQuest. Je suis pas du tout attendu, mais j'ai déjà bouclé le livre qui vient après. Et je suis sur celui qui vient encore après. Il va y avoir une réimpression du Sourcebook avec une nouvelle couverture que j'ai fait. Il y a Arkham qui arrive dans la gamme Cthulhu. Il y a Pendragon, j'ai fait une couverture pour le supplément Grey Knight, et ben c'est bien. Et puis normalement, il devrait y avoir aussi quelque chose en jeu de plateau. Voilà, ça arrive tranquillement. Pas énorme, mais ça arrive. Il y aura peut-être aussi bientôt de la figurine, bref, plein de choses. C'est ce que j'allais dire, parce que figurine, on voit un petit peu tes photos sur Facebook et autres. Mais ça c'est ma passion, mais je compte revenir un peu plus là-dedans en tant que professionnel, et c'est déjà bien. C'est déjà bien, voilà. Bon planning. Et puis bon, bah, plus ça, mais on en parlera après. Ouais. Donc je laisse la parole à Freux qui va s'occuper de Tricky. Ok, donc je m'occupe de Tricky, visiblement, je m'occupe de toi, voilà. Donc Tricky, les gens qui suivent un petit peu les actus Dead Crow commencent un peu à te connaître parce que tu traînes un petit peu dans ces eaux-là. Bah oui. Hein. Si tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as pu faire chez eux et de ton actu du moment. Bien sûr. Et de, voilà, tu as une petite chose entre les mains qui... Oui, bien sûr, pas de souci. Alors oui, effectivement, on me voit beaucoup chez les Dead Crow parce que je suis l'un des auteurs chez les Dead Crow, mais au-delà de cela, on parlait de Booking Game qui rassemble en fait plusieurs studios de création. Et je suis un des associés de Booking Game, donc ça explique aussi pourquoi je suis très investi, finalement, auprès des Dead Crow, mais pas que. Mon actualité, c'est ça, hein. Voilà, c'est Donjons et Chatons. Toujours le meilleur JDR de l'année dernière et de cette année. Merci Loïc. Donjons et Chatons, le jeu de rôle familial que vous connaissez. Mon actualité, il va y avoir de la nouveauté hein, sur Donjons et Chatons. Puisque d'ici la fin de l'année, on sort une boîte de découverte autour de Donjons et Chatons. Et dans cette boîte de découverte, j'y ai mis 5 aventures. 5 aventures progressives, on va dire 3 premières qui permettent vraiment de découvrir le jeu, l'univers et avec pas mal de nouveautés.
en termes de PNJ, en termes de lieu, en termes de développement d'univers, et deux autres grosses aventures. Une qui se passe à Tournebouchon, qui sera largement développée dans cette boîte, et puis une autre, je vous laisse la surprise, mais en tout cas du matos dans cette boîte, hein, parce que des nouveaux prêts tirés, deux livrets d'aventures, cinq aventures au total, des dés. Enfin, voilà, on va rendre à la communauté ce que la communauté nous a donné, hein, parce que c'est un beau succès, Donjon et Chaton. Donc voilà, on va vous faire plaisir, on va donner du matériel. C'est pas que ça sur Donjon et Chaton, parce que je peux vous le dire, je vous donne un peu l'exclu, mais je travaille sur une campagne, une grande campagne thématique sur Donjon et Chaton qui arrivera sans doute en 2025. Donc Donjon et Chaton va continuer à vivre. Ça va être une continuité d'une belle aventure. Donc ça me prend pas mal de temps, hein, vous imaginez bien. En plus, dans le studio Dead Crow et dans Booking Game plus généralement, je m'occupe aussi de superviser d'autres projets. Donc surveillez notre actu parce qu'on a des projets qui arrivent, autres qu'inachevés dont on va vous parler, qui vont être bougrement intéressants. Très prochainement, on a Macadam Féerie. Alors, Macadam Féerie, super. Quel professionnalisme. Et Macadam Féerie, qu'est-ce que c'est ? On interprète des humains qui retrouvent leur origine et leur sang féerique. C'est un mélange de modernité, parce qu'on est proche de l'urbex, de l'exploration urbaine en matière de thématiques. On a un système de jeu très fluide, et puis on redécouvre sa nature féerique. Donc on se transforme et on transforme le monde autour de soi. Ça, il faut vraiment suivre l'actualité de ce projet. C'est un beau projet. Et puis, bien sûr, d'autres qui arriveront fin 2024, courant 2025. Et puis, nous concernant, notre grosse actualité, notre gros boulot à tous les deux, c'est ce que vous voyez derrière. C'est inachevé. J'explique. Vas-y, lance-toi. Allez. T'as le micro. Hein. J'ai le micro, je le garde. Oh, c'est dommage parce que j'ai du mal à parler d'habitude. Donc, Inachevé. Alors, Inachevé est un jeu de rôle issu finalement des rencontres d'imaginaire entre Loïc et moi-même. Dans Inachevé, on joue des statues vivantes qui cherchent à acquérir une âme afin de devenir des chefs-d'œuvre. Voilà. Le pitch en une phrase. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Dans Inachevé, en fait, il y a un collectif d'artistes, de sculpteurs, dont l'inspiration est tellement forte et tellement puissante que sans qu'ils en aient conscience, ils ont créé un univers parallèle où toutes leurs créations, toutes les créations en fait inabouties, tous les ratés de ces artistes, s'incarnent pour devenir enfin des chefs-d'œuvre et se mettent en quête d'une âme pour cela. Mais ils ont plein d'enjeux à résoudre, dont principalement le fait qu'ils soient constitués d'argile, que l'argile a besoin d'eau pour ne pas sécher, pour ne pas devenir poussière. Et donc, il y a des affrontements, des négociations, des périples et des périls autour de cette recherche d'eau. Voilà, donc un jeu de rôle aux multiples enjeux qui se veut... profond, parce qu'on y a mis une grande partie de nous-mêmes avec Loïc, avec de beaux visuels, hein, vous imaginez bien, avec Loïc. Et un jeu vraiment différent, hein, on ne va pas se le cacher. On est dans une proposition forte, on est dans quelque chose de novateur, on est dans quelque chose d'original. Il va falloir se plonger dans ce jeu pour en découvrir tous les méandres. Et... Du coup, c'est de ce que tu décris, ça a l'air d'être quelque chose qui est à la fois peut-être donc des intrigues qui concernent les joueurs, mais aussi des quêtes intimistes. Et je devine qu'il y aura peut-être d'avoir des mécaniques là-dessus. Comment ça s'est construit tout ça ? Alors, après, il ne faut pas oublier que moi, c'est surtout le défunt, c'est tricky pour toute la mécanique. Mais l'idée de base, c'était surtout qu'est-ce que deviennent nos créations quand on les abandonne, qu'on les met dans un tiroir. Parce que. Moi, tout au fil de ma carrière, j'ai quand même... Bon, ça fait quoi à plein temps, ça fait entre 10 et 13 ans. Il y a des projets qui n'ont jamais vu le jour pour plein de raisons. Hein. Soit parce qu'on laisse tomber, parce que c'est pas ouf, parce que le studio ferme, parce que finalement, on change l'équipe, etc. Et je me suis toujours demandé, tous ces croquis abandonnés, tous ces,
toutes ces créations. Oui, en fait, c'est une ode à tous les univers qu'on a abandonnés, qu'on a laissé pour compte. En fait, c'est croquis dans les tiroirs, c'est jeux pas terminés, c'est idées aussi des fois qu'on se dit bon ben voilà des ébauches. Et moi j'ai vécu par exemple une fois dans le jeu vidéo le fait d'avoir toute l'équipe qui est remplacée et donc du coup tout ce qu'on a fait était mis à la poubelle et d'un seul coup on a pris une nouvelle équipe et du coup qu'est-ce que ça devient, ça sert à rien, on a travaillé finalement pour rien. Et je me suis dit tiens, un peu comme Toy Story, on a le dos tourné, bah tiens nos œuvres enfin ou nos créations prennent vie et vivent des aventures quoi. D'accord. En fait, le projet, il est né de conversation avec Loïc. Loïc m'a montré un carnet où il croquait des figures, des sculptures, etc. Et il m'a parlé des idées qu'il avait autour de ses croquis. Et ça a rejoint une pensée commune sur finalement qu'est-ce que tout cela devient. On en a échangé pendant près d'une année. Hein. Ensemble, en direct, à distance, etc. Et puis au bout d'un an, l'année dernière au Fige, on s'est dit mais finalement de tout cela, il faut qu'on en fasse vraiment quelque chose. Nos ratés ne sont pas forcément des ratés. On est tous quelque part des inachevés et on rêve finalement de toujours du meilleur. Et on s'est dit allez, bing, on y va, on fait un jeu de rôle. Et on ne voulait pas non plus être dans une proposition abstraite. On voulait vraiment être dans un jeu profond, riche, avec des vrais enjeux, une vraie mécanique, et en offrant de la jouabilité véritablement aux rôlistes, et toujours dans cette démarche d'aller chercher des choses, quoi, d'aller chercher des choses. Et c'est tout ça inachevé. Donc on est parti des croquis de Loïc, de nos échanges, de la rencontre de nos imaginaires. Moi j'ai mis des mots, on a mis des idées communes, et puis on a avancé comme ça. Et ben, finalement, voilà, à l'heure actuelle, le projet est très bien avancé. Ça sera en souscription à l'automne, avant la fin de l'année. On aura les PDF pour les souscripteurs dès la fin de la souscription. Et les bouquins arriveront quelques mois après. Et on espère aux alentours, dans la continuité du Fige l'année prochaine. Le Fige, cette année, il est important pour nous parce qu'il lance la communication officielle sur Inachevé. On fait les premiers playtests publics après avoir fait nos playtests privés. Donc voilà, et l'accueil est vraiment bon. La mécanique plaît, la thématique plaît, c'est nouveau. Et les gens accrochent, les joueurs et joueuses accrochent. Quoi. Moi, j'ajouterais surtout que faut comprendre que c'est aussi l'occasion pour moi, après plusieurs années, à travailler sur commande, c'est-à-dire que ce soit pour l'Appel de Cthulhu, pour une quest, mais aussi pour tous les autres jeux, que ce soit Rallyman chez Holy Grail Games ou Titan, Mythic Battle chez Monolith. Là, c'est aussi l'occasion de parler de thématiques qui me sont chères. C'est-à-dire que, avant d'être illustrateur, alors j'ai bossé chez McDonald's, mais avant de bosser chez McDonald's, j'ai fait un CAP de décorateur verrier. Je travaillais dans un atelier d'un artiste plasticien qui faisait de la sculpture figurative. On avait plein de sculptures autour de nous qui étaient inachevées, c'est-à-dire des fois des sculptures qu'il avait fait pour le plaisir. Alors c'était pas de la terre, c'était essentiellement de la cire, mais c'est marrant, tout au long de ces années, je croquais des personnages avec des armatures qui dépassaient, sans trop, pareil pour les clous, j'en mettais partout, sans trop savoir pourquoi. Et en fait, ça venait de ça, ça venait de ces souvenirs que j'avais de, des fois, en fait, juste une ébauche a peut-être même carrément plus de vie parce que, en fait, elle est un peu exposée sans public. C'est-à-dire, elle est là, elle est sur son piédestal ou son socle et elle attend. C'est le début de quelque chose et puis, finalement, c'est même plus passionnant pour les. Je me souviens des gens qui venaient dans l'atelier, c'était captivé par ces sculptures vraiment pas terminées, où ils se demandaient. Avec les verriers aussi, quand ils commencent aussi. Voilà, ils disent mais qu'est-ce que. Alors, moi, c'était pas souffleur, hein, c'était ouais. Pas de verrier, mais en fait, c'est un peu de ça aussi que j'ai envie de parler. Je parle de l'eau aussi, on parle. Alors, c'est une thématique qui devient en plus. Très actuelle. Hein. Voilà, très actuelle, alors que je pensais pas que ce serait aussi vite que ça, mais voilà, il y a ça. Et Inachevé serait aussi le premier projet, si ça marche, où je pourrais aussi aborder d'autres univers, où j'ai aussi des thématiques personnelles. Dans Inachevé, il y aura aussi des choses qui nous sont chères, à nous deux, des choses qu'on a vécues. Et on espère aussi avoir d'autres auteurs qui viendraient écrire sur alors, l'univers, sachant que ce n'est pas un univers fixe. Hein. Ça va être un bac à sable, essentiellement. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va clairement s'adresser à des rôlistes expérimentés. Je crois qu'on ne mettra même pas le chapitre « Qu'est-ce que le jeu de rôle ?» Non, bien sûr. Hein.
Oui, oui, c'est ça. En fait, on est très content de l'ensemble de nos créations mutuelles. Hein. Moi, j'adore Donjons et Chatons, j'adore écrire dans cet univers. Mais là, j'avais envie aussi de parler aux rôlistes convaincus, convaincants, et qu'ils plongent vraiment dans cet univers. Alors, c'est clairement pas un jeu de découverte, c'est pas un jeu d'initiation, mais c'est un jeu où on va pouvoir se faire vraiment plaisir, et on va pouvoir aller chercher de l'interprétation, on va pouvoir aller gratter du roleplay. Voilà, c'est un jeu confirmé. C'est un jeu confirmé. Mais en même temps, quel plaisir de revenir aussi à ça. Ça fait du bien aussi, quoi. Voilà, quoi. Et puis, on a essayé d'être cohérent de A à Z, y compris dans la mécanique de jeu. Alors, je peux peut-être en parler un peu. Je te laisse le micro, comme ça me permet de manipuler des choses. Ouais, je t'en prie. Voilà. Donc, c'est gentil. Tu as un beau micro-cravate. Tu sais. Donc ça, en fait, inachevé, ça se joue avec ceci. C'est un deck de cartes, de 32 cartes. C'est la matrice. Et la matrice, en fait, c'est ce bloc d'argile dans lequel tous les inachevés ont été sculptés. C'est malléable, comme l'argile peut l'être. Et au dos de ces cartes, vous avez, en fait, l'échelle des réussites et des symboles d'inachevé. De la poussière jusqu'à la transcendance, en passant de l'échec, de la persévérance, de la réussite et jusqu'à la transcendance. Et en fait, dans Inachevé, vous allez piocher des cartes et cette carte va figurer le symbole et le visage d'un inachevé plus ou moins abouti. Et selon le symbole, ça va vous dire si effectivement une action est réussite ou pas. Des cartes, on en pioche jusqu'à deux, quelquefois une seule, et on applique le symbole et donc la réussite ou l'échec. Ou quelquefois, on peut choisir la meilleure des deux cartes, et quelquefois, on est obligé de prendre la plus mauvaise des deux cartes. Mais toute cette mécanique, elle est complétée, en fait, au niveau des personnages, par des mots-clés, par une mécanique de ressources qui permettent d'investir pour mettre des cartes de côté, pour aller récupérer des cartes. Parce que la matrice, quand une carte est défaussée, elle va au rebut. Mais les inachevés, par définition, ne sont pas de simples rebuts. Et on peut toujours descendre, faire renaître quelque chose. Et donc, on peut utiliser toute une mécanique de ressources pour aller rechercher des cartes, thésauriser des cartes, etc., etc. Donc, c'est une mécanique simple, mais pas simpliste, vraiment élégante. Et quand les joueurs commencent à la manipuler, ils ont un vrai plaisir à le faire. J'en profite. Ça, parce que ce que tu décris, ça ressemble pas mal à ce qu'on voit justement dans le jeu de société, avec du deck building, des choses comme ça. Est-ce que c'est ce que vous aviez voulu dès le départ ? Lui, oui. Oui. Alors moi, en termes de game design, j'aime bien les crossovers, quoi. Et je suis aussi un joueur de cartes, je suis aussi un joueur de jeu de plateau. Et à l'image du mélange des mots et du mélange des dessins entre Loïc et moi, j'avais envie de faire des connexions avec d'autres loisirs. Alors, je vous rassure, ça reste du jeu de rôle, mais dans ses mécaniques, il va rappeler certains réflexes. Et c'est un jeu aussi où il n'y a pas grande part au hasard. Il y a beaucoup de gestion, et finalement, une gestion très simple, très facile, très fluide, mais qui te donne la mainmise sur ce que tu es, sur l'inachevé que tu es, pour essayer de prendre ton destin en main, quoi. En fait, ni plus ni moins. Voilà. Il faut bien comprendre une chose, c'est que moi, à la base, je n'écris pas, je ne fais pas de game design, enfin... En fait, si, mais bon, voilà. Et ce que j'avais surtout besoin, c'était ça que je cherchais Tricky depuis des années. En fait, c'est quelqu'un avec qui je m'entends et qui comprend en fait ce que je ressens et ce que j'ai envie de montrer et qui arrive à le transposer à l'écrit, en gameplay. Et justement, je le bride même pas. C'est-à-dire que je lis ce qu'il fait, mais c'est rare que je lui dise « Ah non, là, je suis pas d'accord, c'est pas ce que je voulais. » Parce que déjà, je l'ai beaucoup vécu en tant qu'illustrateur, ce fait que... On te redemande constamment, encore et encore, de modifier l'illustration pour qu'elle colle à une envie éditoriale, artistique, commerciale. Généralement, en fait, tu te rends compte que tu n'es pas vraiment artiste. Donc là, sur ce jeu, je laisse vraiment Tricky et Dead Cross décider de pas mal de choses. Et il me laisse le temps de me concentrer sur les illustrations. Là, tout à l'heure, on s'est entretenu avec le graphiste afin de se mettre d'accord sur... est-ce que je fais les illustrations, après fais la maquette? Je lui dis non, fais la maquette et moi je me trouverai la place pour faire les illustrations, histoire de savoir exactement où je dois jouer. C'est un projet où j'ai envie d'aller à l'encontre de tout ce qui se fait en général, histoire juste de montrer que l'industrie c'est bien, le consommable c'est bien,
Mais par exemple, si Inachevé, c'est un tout petit succès, très bien, moi ça me va. C'est, à la base, techniquement, c'est un artbook jouable, mais par contre qui est jouable. Comme il dit Tricky, c'est pas juste que ce soit un prétexte pour faire des illustrations. Oui, c'est exactement ça. Et là, pour le coup, ça va me permettre de rebondir sur quelques enjeux. Alors, comme je vous l'ai dit, les Inachevés recherchent une âme. Et pour cela, ils s'ancrent des clous mystiques, qu'on appelle des ancres, au sein de leur armature. Certains Inachevés vont faire la chasse à d'autres Inachevés pour récupérer ces ancres mystiques. Ces ancres, elles apparaissent aussi dans l'univers de façon assez spontanée parce qu'elles sont une tentation aussi par rapport aux Inachevés. Et puis, il y a certains Inachevés qui ne croient pas à la transcendance. Et donc, il y a aussi des Inachevés qui ne croient pas en cet achèvement ou qui n'y croient plus et qui vont populariser d'autres croyances. En fait, les Inachevés se réunissent sous forme d'union. Et ces unions, elles peuvent se confronter, elles peuvent s'allier. On peut faire venir aussi d'autres personnes dans son union, ce qui permet aussi d'intégrer des nouveaux joueurs avec de nouveaux Inachevés, ou voire même des PNJ importants. Donc il y a un nombre d'enjeux, mais il y a aussi l'enjeu de l'eau, parce qu'il faut trouver absolument de l'eau. Parce que sans eau, c'est être de nouveau poussière. Donc il y a vraiment différents enjeux, différentes mécaniques, différentes ressources qui permettent d'évoluer dans un monde d'une grande richesse. En tout cas, selon moi. Et puis, soutenu par les dessins de Loïc, quoi. Ça va donner un univers extrêmement fort et extrêmement visuel. Après, il faut se rendre compte de ce que l'on joue. Je vais vous montrer peut-être un des pré-tirés. Alors, je ne sais pas si on le verra bien, en tout cas, mais voici Gemini. Donc voilà, en termes de présentation, il y a toute une mécanique pour créer l'apparence de son personnage, parce qu'on ne domine pas les créateurs, on joue ce que l'on joue, quoi. Hein, voilà. Et il y a vraiment une façon d'aborder le jeu qui est différente. Comment fait-on quand on a un membre ou deux membres en moins, etc., etc. Donc c'est... ouais, c'est une proposition différente. Moi, je compte beaucoup sur la communauté hein, pour nous rejoindre dans ce projet. J'espère que ça va parler à la communauté. J'espère que Inachevé va trouver son public, tant dans son thème que dans ses mécaniques. Bah déjà, ce week-end, hein, on a vu, par exemple, des gens qui, alors qu'on leur a dit, pouvaient être mutiques. Parce que c'est vrai que moi, depuis le début du projet, je vois les Inachevés comme étant, en tout cas, qui n'ont pas de mouvement labial, c'est-à-dire que c'est des sculptures. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des joueurs qui jouent vraiment le jeu ça, ouais. Et qui se mettent à être muets entre eux et qui ne parlent qu'à travers les gestes ou à travers des dessins. Ouais. C'est la proposition, elle plaît parce qu'elle est originale. Et en même temps, c'est pas une proposition barrée, c'est pas un jeu conceptuel. Ça reste du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il y a jeu et rôle. On interprète un rôle fort, mais c'est un jeu. Il y a du ludique, il y a des enjeux, il y a des récits, il y a des aventures, il y a des intrigues, il y a de l'exploration, il y a de la confrontation, il y a de la négociation, etc., etc. C'est un vrai jeu de rôle. On ne fait pas ça pour se palucher, se faire plaisir. On fait ça pour la communauté, pour que les joueurs jouent. Sinon, hein, j'aurais fait une expo. Hein. C'est ça. Ça aurait été moins compliqué, en vrai. C'est ça. Et moi, j'aurais visité l'expo. Me serait fait plaisir. Donc voilà, enfin, moi, j'aime le dire. Et je pense qu'on se retrouve beaucoup là-dessus avec Loïc. C'est un musée, en plus. C'est un jeu en médiation culturelle que tu pourrais proposer dans les musées et autres. Mais bien sûr. Parce que quand tu crées un environnement de jeu, tu peux être issu de ton inspiration ou issu d'une œuvre, hein, bien entendu. Donc uniquement ces êtres, mais enfin, l'art il est quand même assez large, il y a d'autres choses qui sont inachevées, des chansons, des histoires, est-ce que ça pourrait rentrer dans... Alors tout à fait, ça pourrait rentrer, mais c'est pas notre choix, nous on se concentre là sur ces fameuses sculptures. Et j'aime... Ouais. Oui, et puis si t'as envie de dire, après tu fais ce que tu veux avec l'objet que t'as acheté, hein. C'est-à-dire que si t'as envie de dire, bah toi je te parlais de sculptures en cire, t'as envie de dire qu'ils sont faits en cire, bah tu modifies les choses, si t'as envie de dire qu'ils sont faits en pâte à modeler ou en chewing-gum, ça c'est toi que ça regarde, tu fais ce que tu veux chez toi, tu joues tout nu si t'as envie, c'est pas mon problème. Ouais, c'est ça, en fait on a envie d'un esprit de liberté, et voilà, on donne à la communauté... Enfin, moi je dis souvent, mais je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment s'ancrer ça, je pense. Hein. C'est que moi, je rends au jeu de rôle ce que le jeu de rôle m'a donné. Le jeu de rôle m'a beaucoup apporté. Je suis fier de ce média, je suis fier de ce loisir, fier d'être rôliste. Et donc, je rends au jeu de rôle, finalement, ce qu'il m'a donné. Bah, du coup, merci à vous deux de nous avoir présenté déjà ce sur quoi vous travaillez en ce moment et ce jeu. On a hâte de voir la suite, on a hâte de voir ce dont ça va émerger. Donc, les dates, c'est...
Alors, la souscription sera courant de l'automne, mais en tout cas avant la fin de l'année. Donc on va partir sur une souscription habituelle chez nous, hein, d'environ un mois. Le PDF sera livré à la suite de la souscription et le livre dans les mois qui suivent. Donc on a bien avancé en termes de dessin. Notre maquettiste, là, on a recruté quelqu'un qui, c'est du très haut niveau. En termes d'écriture, c'est pareil, c'est très bien avancé. Donc on devrait être dans ces délais-là. Voilà. En tout cas, on prendra le temps. Les playtests sont bien avancés, du coup ? Alors oui, puisque moi, dans ma façon de fonctionner, c'est que je fais des playtests en amont, de déjà proposer des playtests publics. Donc il y a déjà eu toute une partie de playtests pour huiler le système. Et là, on commence les playtests publics, donc dans les salons, mais il va y avoir aussi des parties organisées sur notre Discord dans les mois qui arrivent, etc. etc. Ouais. On va proposer un jeu qui aura déjà vécu. Bah du coup, on va peut-être pouvoir s'arrêter là, parce que sinon on va se faire frapper par tes... Mes joueurs qui arrivent. Oui, bah, pas que. Booking Game qui va nous dire « on avait dit une demi-heure ». Du coup, merci à vous deux. Merci à vous. Hein. On vous retrouve autour du projet, on vous retrouve aussi sur vos autres projets. Et voilà, comme je disais... On va rediscuter en plus. Oui, vous serez invité d'un côté comme de l'autre, je pense. Pas de soucis, quoi. Pas de soucis. On aura plein d'autres actualités, que ce soit sur ce projet-là ou d'autres, tout au long de l'année. Hein. Voilà. C'est parfait. Et à bientôt pour d'autres interviews. On fige. Salut. Merci à vous. Ciao tout le monde.